Eh bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale, différente, gênante, dérangeante, qui n'a rien à voir avec les autres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une vidéo dans laquelle il y aura tout simplement deux jeux. Je vous avais parlé, je voulais vous présenter des petits jeux. J'en avais déjà fait un, même deux je crois. Enfin c'était même pas des petits jeux hein. C'était des jeux pas très connus on va dire. Et bien là j'ai décidé de vous faire la présentation de deux petits jeux dans cette vidéo. Alors petit n'est absolument pas péjoratif les amis, ça ne veut pas dire que ce sont des grosses merde, bien au contraire, petit jeu c'est petit par la taille, petit par le prix, petit même par la communication parce que bah voilà ils ont pas des placards de publicité partout. Vous les connaissez peut-être pas mais ils méritent d'être connus, enfin pour moi je trouve. Donc pour cette première vidéo et ben j'ai choisi de vous présenter deux jeux. Le premier c'est celui-ci, Super House of Dead Ninja. C'est un petit jeu de plateforme 2D que vous allez trouver sur Steam pour la modique somme de je crois 6,99€. Pour pas dire 7€. Qu'est-ce que vous avez pour 7€? Eh ben vous avez pas grand chose franchement. Là vous allez pouvoir passer quelques heures sympathiques à bien bouffant de la poire. Et si vous avez des copains avec vous autour de vous, vous allez pouvoir faire un peu de scoring parce que c'est un jeu de scoring. Vous allez pouvoir vous foutre un peu sur la gueule, enfin au moins les scores, et puis essayer de battre l'autre, ce serait quand même bien sympatoche. Alors on va y aller, c'est parti. Alors je vous montre déjà au niveau des options, j'ai juste changé un paramètre. Dans les paramètres vidéo, j'ai changé l'interlace. Voilà, parce qu'on a accès, le jeu de base se présente comme ça, l'interlace, donc ça nous donne vraiment un aspect holding, un aspect rétro comme on avait sur nos vieilles télé cathodiques. Mais bon, je l'ai enlevé parce qu'on a un bel écran aujourd'hui, et puis c'est une vidéo de présentation, donc autant que ce soit, que ça ait un petit peu de gueule. Alors on y va, donc le jeu, et ben voyez, on a un petit ninja qui se trouve sur le toit de notre maison, qui va dans la tour, qui se trouve vers la lune derrière, dans le fond, dans l'arrière-plan, et on va passer, partir du haut, et on va aller, on va devoir descendre le plus bas possible. Et bah oui, lui, il commence pas par le bas pour aller en haut, il va du haut pour aller en bas. J'ai déjà joué un petit peu à ce jeu, à peu près un petit quart d'heure, j'ai débloqué quelques armes. Sachant que les armes de base sont le katana, l'étoile shuriken, la bombe et ça c'est une attaque magique, la foudre. J'ai débloqué celle-ci d'ailleurs, donc on va prendre celle-là. Et le katana de base, je vais prendre je pense le nunchaku, tu vas prendre le nunchaku de base, allez. Et les étoiles de ninja, les shuriken, voilà. Et c'est parti. Alors on peut également choisir le niveau de difficulté, donc normal, hard, ninja. Bon, tout seul, évidemment, je me mets en ninja, les yeux fermés, et joue avec les pieds, et puis voilà, je termine le jeu en 2-2, quoi. Mais, bon, comme vous êtes là, on va jouer en normal. Eh bah ouais, ouais, je suis un gros mytho. Et on peut choisir donc notre niveau, donc à partir du toit, et ça, je sais pas ce que c'est, on peut choisir la composition de son level, de son niveau, je crois. Et on peut changer notre personnage, j'ai jamais fait ça, je vais pas le faire maintenant, d'ailleurs. S'il vous plaît. Alors, on choisit le niveau, tac, et c'est parti, les amis. Alors, le but du jeu, la présentation, regardez comment ça se présente. En haut à gauche, on a notre score. En haut, au milieu, on a notre jauge de vie. En haut à droite, on a notre top score. Mon meilleur score est de 72 930. Ah, ça a de la gueule. En bas à droite, on a le timing, le timer. Donc, le chronomètre, avant qu'on crève, tout simplement. Donc, pour augmenter ce chronomètre, il faut qu'on attrape les espèces de petits réveils qu'on voit là sur la droite de l'écran. Ça nous redonne du temps. Également en bas à gauche on a donc floor, donc c'est le nombre d'étages qu'on a réussi à descendre, qui est le nombre de meurtres, enfin de tués, et le nombre d'armes que l'on a. On a 10 étoiles shuriken possibles sur 30, 3 bombes sur 10, etc. Et un super coup spécial de ninja, etc. etc. Donc la manette Xbox est recommandée, elle est reconnue surtout, après recommandée vous faites ce que vous voulez, elle est reconnue automatiquement. C'est plus facile de jouer à ce type de jeu avec la manette. Alors on récupère du temps et là je pense que c'est parti, voilà. Donc on peut faire du double saut, on défonce, c'est du Pikachu, là je sais pas ce que c'est, lui on étale comme ça avec une étoile de ninja, lui aussi les étoiles. Quand on les balance on peut les récupérer, c'est une bonne chose. Voilà, enfin, c'est une bonne chose, surtout qu'on a pas le choix. Là on se baisse, voilà, défonce-moi le mur, non ça marche pas. Merde, d'accord, ça commence super mal. Ok, tac, là j'ai droit. Merde, c'est pas le bouton, voilà, je prends mon super coup. Parce qu'il me le demande, hein, c'est tout simplement. Tac, voilà. Ok, on accélère, on essaie d'accélérer. Donc le but, voyez, le but du jeu les amis, c'est tout simplement de descendre le plus bas possible. Voilà, là j'ai loupé par exemple quelque chose qui aurait pu mettre. Voilà, une bombe, on la prend. On descend. On descend, alors sachant que on a quand même quelques missions par moment, vous allez voir. Des missions qui s'affichent. Savoir par exemple sur certains ennemis, il y aura une espèce de. Une espèce de message qui vous dira de le tuer, tout ça, tout ça. Un truc, c'est basique, c'est simple, c'est efficace. Voilà, j'ai même quelques ralentissements sur ce jeu. Alors imaginez. Alors,
on s'amuse beaucoup. Franchement, on a envie, et vous allez voir, il y a une petite surprise à la fin, si je réussis à aller à la fin, enfin à la fin, il n'y a pas vraiment de fin, mais si je réussis à pas dépasser mon chrono et à aller où je veux arriver, ce serait plutôt pas mal. Vous voyez, lui par exemple, il faut que je le tue, voilà. Il y avait un petit message, donc enfin je dis qu'il faut que je le tue, je suppose, hein. Mais ça donne un bonus, vous voyez, lui c'est pareil. Hop, tac, ça nous donne un bonus. Voilà, là c'est des trucs que je déteste, les épreuves de saut, voilà, bon là encore ça va la rigueur. Allez, on descend toujours. Allez, descend. Hop, voilà, on prend un peu de temps, rends-moi mon shuriken. Là, il y a un coffre, là on va prendre le dernier, histoire de... Voilà, super, du temps, ça m'arrange. Ok, on a 60 secondes, c'est pas mal, on continue. Ça, j'aime bien. Alors, il y a des singes ninja, il y a tout ce qu'on veut en ninja. Non, j'ai pas dit des singes ninja, tout ça, voilà. Ok, là je me suis fait défoncer parce que eux ils sont un peu plus durs à tuer, il faut les toucher deux fois. Ok, temps. Alors eux ils tirent un petit rayon laser, tout va bien. Alors sachez aussi que dans le jeu on a donc notre petite barre de vie qui est en haut là, qui est représentée par 6 gouttelettes. 6, je sais combien. Quand on arrive à 0, on perd évidemment la partie. Merde, comment je fais? Et on a droit à 2 continues. C'est normal, c'est un jeu de scoring. On n'est pas là. Oh putain, le con. On n'est pas là pour aller bien fini, pour aller à la fin du jeu. Tout ce qu'on veut, c'est évidemment faire du score. Alors, moi je suis mauvais, hein, je suis pas doué là-dedans. Mais je m'éclate quand même. Ok, on prend du temps. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on réussit à aller un peu plus vite, c'est vraiment un truc de malade. Alors, ça vous ralentit. Ça évidemment ça vous tue. Ça vous tue aussi. Hop. Allez cours mon petit, cours. Voilà, et là on a donc une petite surprise. On trouve pas forcément ça dans tous les jeux de run comme ça ou de scoring. On a des boss. Et ben ouais c'est vrai. Et on a des boss et en plus bah, c'est vachement sympa, ça rapporte. Ça rapporte. Ah putain voilà, donc là je me suis fait exploser. Alors ce boss là n'est pas très compliqué, sauf que bah, il va vous cracher des bombes à la gueule. Voilà, c'est donc une chose faite. Hop. Et cours par là. Tac. Là. Merde, voilà, je vais rétamer. C'est ballot. C'est pas très difficile en soi, hein. Vraiment c'est pas difficile, mais j'ai du mal. J'y arrive pas en fait. Oh la purée, mais c'est pas vrai. Hey, allez. Alors ce petit jeu, moi franchement ce petit jeu, vous voyez, j'ai l'icône d'installation sur mon bureau. Bah voilà, celui-là je vais pas l'enlever. Il m'a pas coûté cher, donc je suis content, à 7€. Est-ce que vous avez à 7€ une biscotte? Donc là, même si tout, si tout a baisé. Mais le jeu est bien fait, les commandes répondent super bien. Quelques ralentissements, on va dire allez, c'est pas bon quand même. Ok, j'ai terminé donc le boss et le jeu continue. Alors, je ne suis jamais allé plus loin en fait, je me suis arrêté là. Donc là je sais pas, il y a sûrement des nouveautés, voilà, donc ça par exemple lui. Oh purée, alors ça c'est tout ce que je déteste. Merde, voilà, bah ouais, ouais. Tout ce que je déteste, parce que comment vous voulez courir? Je me croirais dans Sonic. Allez, on tente. Ouais, Genity, je sais pas ce que ça veut dire, mais on a trouvé que c'était sympa. Ok, allez on continue. Tiens, Papa Rock. Pourquoi je prends du jeu là? Voilà, toi je t'ai défoncé parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. Mais ouais, ça j'ai pas envie de procéder, on va revenir à l'espèce de cochon. Ok, voilà, allez, on progresse les amis, tout ça parce qu'on a un peu de temps. Eux, je vais pas les tuer, ce qui me paraissent un peu plus dur à tuer. Voilà, tac, ça je sais pas ce que c'est non plus, ça c'est des méchants. Ok, on progresse, oh on progresse comme des... Oh on est des fourbes. On est des fourbes les amis. Regardez-moi ça. Oh les squelettes, oh trop fin. Alors qu'est-ce qu'on a là? Encore des têtes de mort, des trucs. Ça c'est quoi ça? Oh c'est tout petit. Oh attendez, il m'a défoncé mes petites pédales là, sérieux? Ah. Alors, j'aime pas les positions comme ça à la con. Comme ça, voilà. Il y a des crapauds. Oh là là, monsieur. Il y a des crapauds, il y a des dragons. Ok, on a débloqué un nouveau costume les amis. Voilà, tac. C'est ça qu'on veut. Non. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Et on va peut-être arriver à un autre boss. Ah ouais, peut-être un autre jour en fait.
Ok, allez, on va se faire encore un petit continue quand même, les amis. Allez, allez. Allez, alors, donc. Continue, yes, no, yes. Tac, allez, on lui fout un coup de griffe dans la tronche. Il lâche son couteau et il nous tuera pas, ce saligo. Alors, je sais pas s'il y a une fin à ce jeu. J'en sais rien, c'est comme il y a des boss. Du coup, je sais pas. Je sais pas s'ils ont intégré des boss. Oh putain, comment on fait ça? Ah d'accord, on a eu du... Putain, c'est quoi ça? Non, sérieux. C'est quoi ce bordel? Je me croirais dans Sonic. Ok. Ah, ça c'est le chronomètre qui m'a dit que je vais crever comme une merde à cause du temps. Il n'y a pas de chrono. Si, il y a un chrono. Oui. Ok, ça m'a donné quelques secondes. Allez, faut... Alors vous voyez, faut vraiment pas perdre de temps. Ah, il y a de l'eau. Moi, je déteste l'eau. C'est comme les pics, les sauts. Ok, les lettres, je sais pas à quoi ça sert. Sur un jeu, parce qu'on les a tous. Merde, je suis crevé. Oh, putain, c'est quoi ça? Oh non. Ah d'accord, ok, les pics me sont tombés sur la gueule. Ok, d'accord. Ok, tout va bien, les amis. On va peut-être aller beaucoup moins vite. Ça, je pose. Si je... Ok, allez, on continue de descendre. Ça, c'est un truc électrique, ça doit pas être bien sympathique. Et on va peut-être arriver à un autre boss, les amis. Ah, ça serait une première, hein. On va faire le squelette là, voilà, on va passer par là. Ouais, bien, bien. Oh, les amis, on est au boss. Alors, qu'est-ce qu'on a ce coup-là? Putain, une espèce de... Alors, la tortue inarrêtable ou inatteignable. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux sauter par-dessus. Ok, elle peut. Ok, il faudrait que je récupère les shurikens. Ok, si elle fait que ça, c'est bon, on va pouvoir la défoncer. Non, peut-être pas. Faut... Hey, le saut, faut le faire au millimètre. Non, mais c'est pas ça que je veux. Attends, je suis bon. Ok, ça lui fait mal. Merde, là, j'ai fait bon. Ok, bon, on va dire que là c'était raté aussi. Ok, allez, il est presque là, les amis. Ah purée, vas-y, si c'est bon, on va le défoncer. Allez, saute-lui dessus. Ok, on va utiliser. Yes, et on a défoncé notre deuxième boss, les amis. Alors là. Je peux pas aller à droite. Non, si j'ai envie, je peux pas. Et on a défoncé le deuxième boss, les amis. Oh là là, on a explosé mon scoring. Je suis très content. Alors moi, je suis nul, hein, en fait, dans ce jeu. J'aime bien, mais voilà, je suis loin d'être doué. Ça, c'est pas bon. Voilà, ça m'a défoncé. Comment je vais faire pour arrêter ma vidéo? Je peux pas m'arrêter. Ça c'est des pics, ça, ouais. Ça c'est dangereux, je pensais que j'avais un doute. Ah, c'est quoi ce truc là? Eh. Ah, c'est celui qui veut me tuer à la fin. Ah, t'as voulu me tuer, salaud! Ça, tu vas des bombes, c'est ça? Ok. Voilà, c'est des trucs électriques. Ok, dac. On baisse la tête. Ah raté, j'ai baissé la tête pourtant. On avance. Je trouve qu'on a... C'est quoi ça? Merde, je l'ai tué. Si voilà, dame, ça je l'ai tué. Ok, on l'a tué. J'aurais dû ramasser un peu juste maintenant. C'est bon, allez, on descend. Attention à la bombe. Est-ce que je peux y tomber dessus lui? Oui, toi aussi. Ah purée! Ok, bah si vite! Oh, c'est chaud les amis! Oh là là, mais ma vidéo va faire 200 jours! C'est une catastrophe! Ah! J'aime pas quand faut se plier comme ça! Tant pis pour les bonus! Oh, j'aime pas ça, ça! Voilà, bah c'est ce que je disais, j'aime pas ça! Ça c'est des coups à s'arracher la tronche! Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation de The House of Dead Ninja, il me semble. Ninja. Allez, on met non. Ah, j'avais un super score, j'étais content. Là, j'aurais bien voulu comparer mes scores avec les vôtres, les gars. Sachant que, bah, moi, je suis mauvais. Donc, du coup. Mais j'avais encore un continu, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Ah là 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 là, ça m'énerve. Alors, on a été où? Est-ce qu'on peut voir où on a été? Non, on peut pas voir, en fait. Ah si, regardez. Alors, 300, 750, ok. On est descendu. Alors, j'ai... Friend Kill. Ah non, c'est des Friend Kill, j'ai tué trois copains. Je suis descendu à l'étage 246, les amis. Et j'ai un score de 118 550. Alors à vous de me dire combien vous avez fait au score si vous avez le jeu. Allez, on se dégage. J'ai pas débloqué de... Ah, j'ai un flingue. Ouais, bon. Pour un ninja avec un flingue, c'est quand même pas terrible. Donc voilà les amis pour cette présentation
2. Non, c'est parce que je voulais faire 2. C'est parce que je cherche le titre en fait. House of the Dead Ninja, je crois. Hein. Il me semble que c'est ça. Donc 6,99€ sur Steam, les amis. C'est un bon petit jeu. Voilà. Super House of the Dead Ninja. Voilà, autant pour moi. Donc, bien, les amis, le temps de charger le deuxième jeu. Et donc, je vous dis donc à tout de suite. Salut! Bande de petits ninjas, va. Un gros taureau, un cowboy, un robot, une planète qui explose. Oh là là, regardez-moi ça quand ils ont pas des têtes de vainqueur. Le Monkey Rocket. Oh là là, il est beau lui. Le professeur cerveau. Le caméléon. Oh comme ils sont beaux. Oh là 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 là. Eh bien oui les amis, et bien voilà, donc deuxième jeu de la vidéo, deuxième jeu, un jeu qui s'appelle, il n'y a pas le nom, c'est Howard Snout, un truc comme ça les amis. Alors pourquoi ce jeu? Et bien tout simplement parce que ce jeu, il est disponible sur Steam aussi. Alors je fais que du Steam, je sais, mais en même temps Steam, bah écoutez, c'est la plateforme la plus répandue je pense. Alors ce jeu, il est disponible sur Steam. Je ne sais pas exactement le prix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je l'ai acheté en boîte il y a longtemps. Il y a très longtemps que j'ai acheté ce jeu en boîte. Et j'y joue juste parce que j'ai vu qu'il était dispo sur Steam. Je sais que ce jeu a eu une bonne critique. Peut-être pas chez nous en France, mais il a une bonne critique peut-être outre-Atlantique. Je ne pense, j'en sais rien en fait. Mais apparemment c'est un jeu assez fun. Moi je l'avais payé 2€. Voilà. Et à 2€ on peut s'amuser. Bah ouais, c'est possible. Alors le type de jeu, et ben vous allez voir, j'y ai joué il y a quelques minutes, il y a, bah quand j'ai acheté le jeu, donc il y a quelques temps maintenant. Je vais y jouer au clavier ou à la manette? On va essayer d'y jouer à la manette, je sais pas si c'est possible. Ok, alors le tutoriel, match contre les bots, ok, donc tout ça j'ai même pas débloqué, donc vous voyez, c'est vraiment que j'ai pas joué. Le tutoriel, je l'ai même pas fini, je crois. On va se faire un match directement, puis vous allez voir, et on va comprendre tout de suite sur le tas comment ça marche. Alors JTKB, it's me. Not ready, mais si si, I'm ready. L'intelligence artificielle, difficulté. On va la laisser en mini, c'est très bien. Parce que je crois que je me faisais défoncer de toute façon. I am ready. Alors sélectionnez la map, et ben pour l'instant il y en a tout simplement. Waouh, il y en a une quantité phénoménale. Regardez, on a High Station 205 et on a Rabbit 4. Allez, on va aller suspense, on va prendre au hasard. Donc ça c'est quoi? C'est caractère select. Ah c'est pour moi. Ah ouais, attends, on va pas, là on décode pas. Oh comme ils sont beaux. Moi j'en veux une avec des gros seins et bip. Non, allez, on va prendre au hasard parce que je les connais pas plus que ça. Allez, c'est parti. Ouais, bon, maintenant je voulais pas lui en fait, parce que lui je suis sûr qu'il est lent. Je préfère quelqu'un. Ça sert à quoi que je prenne au hasard si tu me fous tout le temps le même? Putain, je vous jure, on est franchement, on n'est pas bien reçu. Allez, on va prendre le cowboy de l'espace, là il me plaisait bien. Allez, on va se prendre le cowboy. Allez, on confirme. Donc le but du jeu les amis, ben vous allez voir, c'est un genre, je sais pas comment ça s'appelle ce jeu en fait. On a chacun un côté, okay, là je ramasse des petits trucs. Je suis dans ma capsule. Voilà, vous voyez. Oh là, qu'est-ce que je suis doué. Ah ça fait peur, je les ai tous loupés. Voilà, donc ici c'est moi, le cobaye de l'espace. Je suis donc en bas à droite, vous avez une map. Ici je peux faire des trucs. En appuyant sur LB, je peux acheter de l'équipement. J'ai combien de sous? J'achète ça et c'est tout. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Je peux tirer. Ok, je peux tirer. C'est pas terrible. Je peux faire un autre truc. Je sais pas, j'en sais rien. Donc le but du jeu les amis, tout simplement, et eh bien c'est d'aller dans la base ennemie et de défoncer leur truc. Voilà, ça de la vie. Ok, ça sert à rien parce que ma vie est pleine. Ok, je peux pas passer là. Alors regardez le la patte graphique est tout simplement géniale. Voilà, là on a donc nos petits robots qui sont en train d'essayer de foutre sur la gueule. Donc l'équipe bleue c'est le mal, c'est les méchants. Voilà, ici moi je vais passer par là.
Est-ce que je peux pas faire un super cool? Attendez pas, je vais me transformer, c'est quoi là? Ouh, merde, merde, merde. Et oh, et ça va, et tu te détends. Ça fait quoi ça? Ça fait absolument rien du tout. Attendez, s'il faut que j'attende. Ah merde, d'accord, ça m'a renvoyé en fait au magasin. Donc je peux acheter des trucs. Alors, Cold Dawn, Super Breed. Je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Il faudrait plus de temps. J'ai plus assez de tout. Ok, on retourne au combat. Ah non, les boutons sont en bas, j'avais pas vu. Ok, d'ac. Allez, on y va. On va essayer de comprendre comment ça marche ce bordel quand même. Parce que. Pourquoi je tire de travers? Alors, je trouve déjà que la patte graphique est super chouette. Alors, regardez-moi ça. Logiquement, à plusieurs, ça peut être assez fun. Voilà, j'envoie donc mon taureau. Mon taureau à la charge. Non, je le défonce pas là, je sais même pas si je lui tire dessus. Si, si, je lui tire dessus. Allez, je renvoie mon taureau. Allez, bam. X, ah, ça sert à quoi? Ah, ça sert juste à ça, d'accord, en fait, j'ai pas grand chose hein. Est-ce que je peux pas me foutre là-dessus, je me tire dessus pas... D'accord, ok, je fais que de la merde. Merde, j'ai encore appuyé sur un bouton, fallait pas. Bon, vous avez compris, grosso modo les amis, il faut bah, il faut survivre. Et il faut défoncer. Allez, vas-y mon taureau, vas-y, montre-leur qui c'est le patron. Ah, putain, lui il fait super mal en fait. Ça va, c'est fou, moi la paix. Alors, le but du jeu. Donc, on détruit la base adverse. On fait attention à ce que notre base ne se fasse pas défoncer non plus. On a donc nos petits camarades qui nous aident. Voilà, regardez, lui là, qui vient nous aider, c'est parfait. Voilà. Bon, c'est assez dur à défoncer ça quand même. Je peux monter ou pas? Ouais. Donc je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu plus loin à quoi ça ressemble. Putain, je me fais défoncer là aussi. Ça c'est quoi, c'est un gentil méchant? Non, ça c'est un méchant. Voilà. Putain, c'est quoi ce bordel? Alors, your tunnel indoor attack. Ouais, mais je suis où? Ah, d'accord. Allez, on est réjecté, on repart en quête de nos petits pognons. Putain, je les loupe tous, j'en ai marre. J'en ai marre. Je veux me pendre. Ok, voilà, j'ai tout bouffé, je suis content. Alors, j'ai combien de pièges? J'ai 240. Ok, qu'est-ce que je peux acheter? Je vais acheter... c'est quoi? En fait, faudrait que je prenne le temps de lire, mais en fait, j'ai pas envie. Ouais, je suis content. Ouais, allez. Allez, allons aider nos camarades. Je ne sers à rien. Ma vie, c'est de la merde. Regardez, regardez-moi ça, il est en train de morfler notre robot de l'espace. Ok, ok, regardez, il va exploser, il va exploser. Ça sera évidemment pas grâce à nous. Allez, taureau. On aura participé quand même, j'en suis sûr. Ah putain, il y a un méchant. Ah ah, je suis caché, tu peux pas me voir. Si, me voir. Pourquoi il a un super coup spécial lui? Ouais, vas-y, occupe-toi de lui là. Attendez. Mais foutez-moi la paix. Moi je veux juste avancer, je veux juste défoncer tout le monde. Alors j'ai l'impression qu'il flingue quand même vachement pour lui. Alors donc, select, ça sert à montrer. Les scores. On peut voir que je suis super scoré. Allez, poussez-vous le petit robot de merde là, voilà. Allez, celui-ci, on va réussir à le défoncer. C'est qu'une histoire de secondes, de minutes, de jours, d'heures, de mois. Ah, fous-moi la paix. Tiens, si je te rends mon taureau. Tiens. Ah, c'était le cowboy, c'est bon. Alors, il y a moyen de faire mieux que moi. Je pense, j'en suis presque sûr. Hein. Allez, on va pas dire j'en suis sûr. Tu veux pas crever toi? Vas-y, bon. Ah, comme dirait l'autre. On va te griffer les mains de ta mère. Ah, voilà, donc là, ça veut tout simplement dire que voilà, je suis mort. Donc, mais c'est pas grave. 3, 2, 1. Éjection, tana, je me balade dans ma capsule. Et j'ai tout loupé. Ah, je suis super fort en esquive. Ah la vache. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'il serait bien parce que j'achète des trucs. Ça, je peux l'acheter, ça, ouais. Ça aussi, je peux acheter. Ouais. Allez, je sais pas ce que j'achète. Allez, on y va, je vais suivre Wuzur. Ah, si on pouvait changer de personnage, ce serait pas mal, ça aussi. Pour l'instant, on voit qu'on est en supériorité de je sais pas quoi. Tiens, ça dégage.
Ah, il y a ce robot là aussi, hein. On a donc plusieurs robots. Comment je fais pour descendre? Chou. Putain, je peux pas descendre. On peut pas descendre. Ok, on peut d'abord vraiment les défoncer ceux-là. Ok. Ok, on peut descendre. On va. Oh purée, mais il fait super mal celui-là. Waouh. Toi, faut que tu crèves, hein. Toi, c'est vraiment. Allez, on y est presque. Faudrait vraiment le défoncer celui-ci. C'est bon, on l'a défoncé, les amis. On peut progresser. Ça y est, on va donc passer à la deuxième étape. Je me soigne au passage. Je crois qu'il faudrait vraiment un flingue qui a une autre gueule que ça. C'est un flingue, c'est une épave ce truc. Alors c'est bien. Ouais, donc regardez, il faut deux pompes pour les tours en fait. Ils sont super longs à défoncer. Ah, je voudrais changer de personnage, s'il vous plaît. Alors ça, apparemment, ça me téléporte. Ça me téléporte au magasin. Ok, alors, est-ce que je peux acheter des autres balles? Parce que ça, c'est... Alors, increase base damage, plus 15%, plus vitesse. Alors, génération, on s'en fout. Non, moi, je voudrais un flingue. Ça, c'est quoi? Slow... Allez, on y va. Tintintin. Alors donc on est pour l'instant on est à 7, ils sont à 4. On est bon. On est bon. Allez. Celle-là on l'a déjà défoncé. Allez, on y va tous là. Ouais, tous sur lui. Allez, je balance mon taureau, je sais où je suis. Allez, si on reste tous là, les amis, hein, mais bon, vu que c'est une intelligence artificielle, ce sera peut-être pas idéal. Je sais pas si mes flingues, ils vont pas au bout. Ils touchent, hein, ils touchent pas. Allez, tant pis, on va espérer que les autres prennent des dégâts à ma place. Ouais, là, ils prennent. Allez, on balance, ouais, en fait, faut se rapprocher. Hein. Ok, c'est bon, on est pas mal, on est pas mal. Allez, on va défoncer tout ça. Pourquoi je peux pas passer là? J'en sais rien. Je dois être, je pense. Voilà, là on est dans la base. On est. Je pense qu'on doit être arrivé vers le point de repli numéro 1 des ennemis. Je pense qu'il faut vraiment qu'on détruise celui-ci. Allez, le taureau, vas-y, va faire un peu de ménage. Allez, on y est presque, les amis. On va gagner, les amis, parce qu'on est des winners. On est des vendeurs photocopieurs. Eh ouais! Allez, allez, on y est presque. Bon, regardez, ça se fissure, c'est bon, regardez, on a pété. Oh là là, on a pété le truc. Je sais pas ce que c'est une victoire écrasante. Et ouais, 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 avec notre cow-boy de l'espace. On a été bon. On a été bon, les amis, bravo. Regardez, je suis absolument premier. Je suis premier si on retourne l'écran. Ouais, ah, ouais. Eh ben ouais. Ah ouais. Ouais, je suis bon, là. Ouais. Bon, bah je suis mauvais, hein. Comme d'habitude. Mais c'est pas grave, les amis. Donc voilà, non, alors ce jeu extraordinaire. J'adore les graphismes, j'adore l'ambiance. C'est drôle, c'est marrant, c'est ludique. C'est pareil, ça aussi. Voilà, j'ai débloqué un autre truc. Eh ben, ça fait plaisir de jouer à des jeux comme ça à 2 euros. Vous vous rendez compte, 2 euros? Ah bah, on a débloqué les autres trucs. Que vous voyez, donc j'ai vraiment... C'est vraiment, j'y ai pas joué beaucoup. C'est un très bon jeu. Honnêtement, celui-ci fait partie des bons jeux, des bons petits jeux. Alors voilà, des jeux à 70 boules, c'est bien. Il y en a des biens, évidemment, il en faut des jeux à 70 boules. Ça fait du commerce, ça fait bosser des tonnes de monde. Mais purée, des fois, j'ai vraiment l'impression que d'être prise pour une grosse vache qui donne beaucoup, beaucoup de lait. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation, de gameplay d'un jeu qui date un peu, mais qui est franchement génial. Ah ouais, I was some nuts. Voilà, vous vous débrouillez avec ça, vous tapez ça dans Google, qui est votre copain, ou vous tapez ça sur Steam, vous allez trouver, ça coûte pas cher normalement. S'il est pas dispo sur Steam ou si il est trop cher sur Steam, allez en magasin, vous allez le trouver dans... C'est un éditeur qui s'appelle Indie, donc qui vend des jeux pas très chers, vous allez le trouver autour des 2 euros en boîte, les amis. Donc voilà, et bien on s'arrête là pour cette vidéo de présentation de deux petits jeux. Et ben voilà, on a fait deux jeux en une vidéo, ça c'est fort. Ben moi je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée, et puis je vous dis donc et ben à très bientôt. Abonnez-vous si c'est pas fait, mettez-moi un pouce bleu si ça vous plaît, bah ouais, ça me motive. À chaque fois je vois des vues, mais je vois pas de pouce bleu, alors mettez des pouces bleus s'il vous plaît, faut pas que je vous supplie quand même. Allez, salut les amis.